Information, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, internautes. Président pays brésilien, Lula, étonné, li souqué, nous capable de dire, ébranlé monde là, li cassé, mette dans mes hypocrites. Mesdames, messieurs, la presse locale ou internationale a parlé de président pays brésilien dans moment ça, qui qualifié ça qu'a fait dans Israël ak Palestine nan la, c'est pas guerre, c'est un génocide. Le problème est le suivant, que non est une guerre, est un génocide qui j'a matou quasi 2000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. Lula déclaré: si Hamas commet zak terroriste, Israël commet même zak yotou. Israël tuer ti bébé innocent, li tuer femme innocent. Mesdames, messieurs, Lula kase maintenant mes hypocrites yo. Bagay yo mankonmen, parce que nous connaissons depuis Israël, Palestine, Juif, ces sujets sensibles. Gen koze nous pourrons le partager ensemble avec vous. Yon lot bon, nan Moyen-Orient, la même pays les États-Unis d'Amérique lan, pedi 4 militaires. Nan yon attaque, force résistance populaire nan pays la Syrie, mené sous base. Les États-Unis d'Amérique gagnent en Syrie. Yon attaque qui te fait sujet après les États-Unis d'Amérique nan dimanche te bombardé deux installations qui gagnent rapport avec des milices syriens pro-iraniens. Information ça publié par yon média qui est Al-Mayadin, yon média libanais qui gagnent représentant yo nan pays la Syrie. C'est eux-mêmes qui fait connaître, selon Soucio, gagnent environ 4 soldats les États-Unis d'Amérique qui pédit la vie. M'a pour appeler aux sous-immigrants, si vous déjà quitté ton like, merci. Si vous pourquoi m'a invité au faire ça pour capable encourager travail là, dis son pensée dans espace commentaire et pas hésiter partager pour plus monde capable informer. N'a démarré avec Moyen-Orient. Hier, mon petit partage information, secrétaire défense les États-Unis d'Amérique, clan Yodostin, t'a annoncé li frappé dans l'est la Syrie des milices syriens pro-iraniens qui apparemment fait partie corps gardien révolution islamique iranien qui ont même pas suspendu ciblé base militaire que les États-Unis d'Amérique gagnent avec coalition qui accompagnait l'IA dans la Syrie avec Irak. Eh bien, yon te mené attaque sa pour capable bayon une réponse avec groupe si la. M'a rappelé que attaque force armée des États-Unis d'Amérique te fait environ 8 morts. Mais gagne yon média qui relè Al-Mayadin qui relayé information sa. Les sources ont confirmé que la résistance populaire a ciblé la base américaine avec 15 roquettes. Révélant qu'elle visait le quartier général de commandement de la base militaire américaine du champ gazier de Conoco. Les sources ont noté que les hélicoptères américains ont quitté la base moins de 10 minutes après les frappes, ce qui suggère que les hélicoptères pourraient avoir transporté des blessés. Une source a déclaré à Al-Mayadin que plusieurs soldats américains ont été tués dans les frappes qui ont visé la base de Conoco, dans l'est de la Syrie. Notre correspondant en Syrie a indiqué que l'attaque contre la base d'occupation américaine a été menée à l'aide de missiles Grad et a coûté la vie à 4 soldats américains. C'est une information depuis hier qui a circulé, mesdames, messieurs, mais comme d'habitude, moi t'y attends tout une confirmation dans le Pentagone, moi t'y attends tout avec médias qui gagnent représentants sous place, tout qui pour relayer nouvelle là, malheureusement, pas gagné trop médias qui réellement relayer information.
Et est-ce que socio ba yon bon information avec Al Mayadin? Est-ce que soldat sa yo mouri les États-Unis d'Amérique caché la mort soldat sa yo? Peut-être oui, peut-être non. Par rapport avec Pentagone, non, qui pas confirmé information sa qui a circulé depuis hier. Et par rapport tout avec un pile média qui choisit par l'île, nous capable dit est-ce que gagnon doute sous information ça ou bien les États-Unis d'Amérique pas voulu révéler kounya que il gagne 4 soldats qui mouri dans attaque force milice syrien yo. En effet n'a pas kembe connecté sous partie ça si gagne actualisation n'a partagé li ensemble avec vous mais dans moment que n'a parlé là selon Al Mayadin selon Soustio yo fait connait gen 4 soldats les États-Unis d'Amérique qui perdit la vie yo et c'est hier qui était 13 novembre 2023 dans riposte que yo te fait contre force armée les États-Unis d'Amérique là dans Syrie n'a quitté Moyen-Orient n'a traversé non Amérique là avec président pays Brésil là Lula qui campait en chef la paix qui campait en commandant la paix pour casser mettre dans main hypocrite yo président pays Brésil là la gueule comme ça m'a invité au tendez m'a traduit pour même ça que président dit ah, aux 78 ans d'âge eu já vi muita brutalidade já vi muita violência avec 78 l'année que li gagne li déjà ouais en pile brutalité li déjà ouais en pile violence li déjà ouais en pile irrationalité mais li pas de jambe ouais li pote ko jambe ouais yon violence sabe une violence tan bruta déshumain contre innocent comme ça mesdames messieurs m'a campé là Lula dit il gagne 78 l'année li ou en pile brutalité li ou en pile violence li ou en pile action irrationnelle mais li pas de jambe ouais yon série violence qui brute comme ça contre innocent pourquoi si Hamas commet des actes terroristes et fait actes terroristes, et bien État Israël tout commet en pile actes terroristes. Israël pas levé en considération que Timounio pas nangé. Israël pas levé, pas mettre tout en considération que fille pas nangé. Israël pas levé en considération que li pas tué soldat seulement mais li a tué timoun tout environ 5000 timoun perdit la vie environ 1500 disparaît. Y a cherché yo. Président Lula fait déclaration ça pendant l'étape recevoir. Yon groupe brésilien qui t'a quitté Hamas, qui quitté Israël, qui quitté Palestine, qui retourné dans le pays Brésil. Nan moment ça l'étape mettait la joie dans cœur en pile brésilien et Lula promet que li a prend tout monde que li capable qui gen rapport avec famille brésilienne. Même si moun nan li pa yon femme, li pa un brésilien pur, mais s'il gagne un lien parenté avec brésilien, eh bien depuis li capable, il a fait tout ça qui possible pour que yo capable prendre moun sa ou tout vin mete dans pays Brésil. Et li espéré que yo vive là et lorsque yo même yo vle encore, y a tourné dans Hamas. Président Lula li espéré yon jour que l'humanité que des pays prennent responsabilité yo pour capable agir tan kou moun avec humanisme pour capable agir avec conscience pour capable agir avec pitié parce que Lula a dit c'est pas guerre ça y est ça c'est un génocide le problème eu fiquei aqui não é uma guerra é um genocídio alors question Israël et Palestine toujours été très complexe très tabou. Mais président Lula, nous connaissons qui c'est un leader pour la paix, monde langue dans moment là,
li pa jam kache mécontentement lorsque communauté internationale la pa jam capable réagir face à des situations critiques que monde la fait face carré ensemble avec lui. Et pa gen trop dirigeants qui gen courage ça non pour dire ça avec Israël. Ou ap dénoncé Hamas qui a commet crime, qui a commet action terroriste, mais action yo pas différent de action Hamas yo. Mesdames, messieurs, écoutez, combien de monde qui a dit parole ça? Faut pas gen bouchou kay l'autre pays. Faut pas arrêter à monde. Faut aussi un politicien qui habitue bay ak César ça qui pour César et bay tout ak bon Dieu ça qui pour bon Dieu. Président Lula, nous rappelez-nous, la Russie qui c'est une partenaire, il était campé à clé, il dénonçait la Russie dans l'ONU. Il était campé tout, il dénonçait Volodymyr Zelensky. Qui te joué rôle pal tout nan gè sa qui gen entre la Russie et l'Ukraine et Israël je dis en la Lula gen courage parmi en pile président pour le dire Israël ça va faire li pas différent de ça Hamas a fait ou tuer ti moun innocent yo tout ou tuer femme innocent yo tout c'est pas seulement soldat ou touye ou craser bâtiment ou craser l'école ou craser ou détruire en pile famille ou ap retire en pile installation civile, ou ap bombardé l'hôpital, ou pas différent non de Hamas. C'est vrai Hamas, en pile pays qualifié de organisation terroriste. Yo agi yo goumen tankou terroriste, mais Israël agi et goumen tankou terroriste. C'est vrai qu'il y a une question de proportionnalité, non capable de dire ça, lorsque yon pays yon groupe bon attaque ou bien frappe ou doit répondre sévère tout pour empêcher qu'il pas fait ça encore. Mais lorsque nous connaissons histoire Israël Hamas Palestine très complexe et qui pas daté jeudi hein, mesdames messieurs, eh bien nous capable ça l'a dit yon, li fait sens. Li fait sens parce que Israël li pas réellement agit trop différent de Hamas. Restez connectés avec les immigrants, n'a pas continué à informer, n'a pas été à le concert pour une autre sortie.